Good morning, allez, Iden, les yeux sur aujourd'hui, les loin Ishmat, Avram Chayin Orber Ben Fortune et Mazal, Chayabat Tova et Rachamim Ben Rosa, ainsi que leur foi, Ben Zavoud Ben Chayam, Aliyah Miramat Chassidado Ben Yudit et Sarah Ben Bittir Rekla Betor Shach Chol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Misha, contactez le 5 minutes éternel, nous étions Masechet Bechorot, Perek He Mishna Alef, Kol Psulei HaMugdashim, Nimkarim Be'itliz, Venishratin Be'itliz, Venishkalin Be'itra, Chutz Mina Bechor ou Mina Maaser, Shanayatan La Be'alim. Mishnah très simple, on va commencer par traduire et on expliquera ensuite. Kol psula mugdashim, tous les korbanot qui ont été invalidés pour le misbéach, qu'on ne va plus pouvoir faire sur le misbéach parce qu'ils ont eu un défaut par exemple. Donc, on a déjà évoqué plusieurs fois qu'il faut transférer la kedusha sur de l'argent et à racheter à la place des korbanot à la place. Eh bien, la Mishnah enseigne que sache que ces korbanot qui ont été invalidés, eh bien, nimkarin beitliz, tu pourras les vendre à la boucherie. Itliz, c'est la boucherie, l'abattoir. Un peu les deux, c'est pas clair. Et, parce qu'après, en fait, on parle de Benishratin Beitliz. Et ils sont égorgés dans le Itliz. Donc j'ai dit que le Itliz, c'est plutôt l'abattoir. En tout cas, un endroit où on vend de la viande. Et en plus de ça, ben, aussi Benishkalin Belitra. Et on pourra même les peser avec les litras qui sont des poids de quelques kilos, quoi, histoire de pour peser la viande. Chutz mina bechor ou mina maaser, à l'exception du bechor et du maaser, donc comme on va expliquer, comme on connaît bien le bechor maintenant depuis le temps, c'est le premier-né qui a une kdusha qui a été invalidée, et le maaser, c'est il faut aussi prélever les animaux, tous les nouveaux-nés de l'année, on prélève un dixième, il a une kdusha, on la porte au misbéach, on expliquera ensuite exactement, mais pour le moment je vais finir la phrase. Shana yatan la be'alim, car leur profit revient au propriétaire, à la différence de psula mugdashim hanayatan la egdesh, que les psula mugdashim, les autres korbanot qui ont invalidé, leur profit revient au egdesh. De quoi on parle exactement? C'est simple. Un korban, tout d'abord, lorsqu'il est entier, parfait, on doit le faire monter sur le misbéach. Dès qu'il a eu un défaut, alors il va falloir, selon le cas, on va se retrouver soit à devoir transférer sa kdusha sur l'argent pour acheter un korban à la place, ou soit, dans deux exceptions à la règle en fait, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de transfert de kdusha. Il a eu un défaut, eh bien tu auras le droit de le manger. Et on aura le droit de le manger. C'est quoi ces deux exceptions à la règle? C'est le bechor et c'est le maaser. Bechor, c'est le premier-né des vaches, moutons, chèvres, le premier-né qui a ouvert la matrice, mâle, alors il a une kdusha, il faut faire un korban. Dès qu'il a été invalidé, on aura le droit de le consommer. Puisqu'on aura le droit de le consommer, il faut savoir que malgré tout, il avait une gdusha qui lui est restée, une certaine gdusha qui lui est restée. On n'a pas le droit de se conduire de ce fait avec cet animal de manière très profane, de manière très grossière, à se mettre à le prendre, à le découper avec de la viande, à la peser au kilo. Non, il faut lui garder tout le respect que c'était un korban initialement. Mais si c'était un korban, alors on le vend de manière très discrète, posée, en faisant, comme on va expliquer à la fin de la Mishnah, une petite nuance encore, mais en tout cas, sans le peser de manière très grossière, comme un bout de viande qu'on coupe et qu'on... Non, on dit j'ai de la viande de Bechor, tu veux que je te la cède, je vais te la vendre, oui d'accord, donne-moi un petit peu, donne-moi une contrepartie, grosso modo, combien c'est censé coûter, avec beaucoup plus de dignité, d'accord? À la différence des autres korbanot qui ont été invalidés. Là, c'est un simple problème pour ne pas faire perdre de l'argent au Hekdesh. Avec les korbanot qui ont été invalidés, la plupart des korbanot, un shlamim qui a été invalidé, alors qu'on va pouvoir transférer la kdusha et on va le faire sortir. Là, si on réussit, plus on va réussir à tirer de l'argent du korban, plus le Beit HaMikdash il va gagner, qu'on va pouvoir en contrepartie acheter maintenant un animal encore plus grand. Alors que si toutefois on va se mettre à le vendre de manière beaucoup plus pudique, modeste, propre, alors on va se retrouver en problème que... On va se mettre à évaluer. De manière générale, il n'y a personne qui a... Personne n'est philanthrope, quoi. On ne va pas se mettre à partir prendre l'argent du Hekdesh. On va en payer encore plus cher. Donc on va... Tu ne veux pas me dire exactement combien il y a de poids. Je vais faire une estimation. Et forcément, l'estimation, elle va être inférieure à ce que c'est censé être concrètement. Donc de ce fait, il va y avoir une perte pour le Hekdesh. De ce fait, la Mishnah, elle est venue me dire, laisse tomber cette fois-ci la nécessité de trop respecter le Hekdesh. Parce qu'à cause de ça, il va y avoir des pertes. Mais des pertes pour le Beit HaMikdash. Donc de ce fait, on aura le droit de partir le vendre comme il faut, à l'endroit où on vend la viande, et pas de manière dans ta petite cour arrière, en invitant quelques voisins à être intéressés. Ouais, vous imaginez bien, c'est-à-dire plus on va être de manière... L'avantage, c'est-à-dire plus on va se conduire de manière grossière, à considérer le
korban invalidé comme de la vraie viande, plus on va pouvoir retirer une bonne contrepartie. À la différence donc du bechor et du maaser, que cette fois-ci, le bechor, donc comme ce qu'on a dit, le bechor, je rappelle, on le donne au Kohen. Et le Kohen, il doit attendre qu'il va avoir un défaut. Lorsqu'il va avoir un défaut, le Kohen, il va pouvoir l'égorger, le manger. Il n'est pas obligé de le manger, il peut aussi le vendre et tirer profit. Et dans ce cas-là, puisque c'est tirer profit pour sa poche, alors on va lui dire, écoute, cette fois-ci, la nécessité de respecter le korban invalidé, eh bien, il reste dans toute sa vigueur et tu ne le vends pas à la boucherie, tu le fais ça de manière très propre chez toi, tu invites une personne ou quelques personnes à être intéressées éventuellement à acheter, mais c'est tout quoi. Et le maaser, donc comme on a dit, le maaser, c'est tous les nouveaux nés de l'année, ouais, il y a, quand ça arrive, la fin, un peu avant le début de l'année, avant Rosh Hashanah, quoi, en fait, c'est en Elul, Rosh Hashanah et maaser. Et donc, on va compter les 10 animaux. Il y en aura le 10e, il sera Kadosh. S'il va recevoir un défaut, tu auras le droit de manger le korban. Même toi-même, c'est pas la peine de donner au Kohen. Le maaser est consommé par le propriétaire. Mais de nouveau, on devra, puisque le profit sera pour toi, alors tu n'auras pas le droit de le vendre. Et avec ça, la Mishnah m'a enseigné qu'il y a encore une différence entre le maaser et le bechor eux-mêmes. Une petite nuance entre les deux qui sont Veshoklin mané kenegan mané et bechor. La Mishnah m'enseigne, et tu pourras peser un mané, une mesure de un mané, contre un mané, contre une mesure de un mané, babéchor, à propos du premier né, et pas à propos du maaser. Et on explique de quoi on parle. Situation très simple. J'ai un béchor invalidé et un maaser invalidé. On a dit que je n'ai pas le droit de le vendre de manière grossière, à la boucherie, en le pesant. Il y a malgré tout une différence entre les deux. C'est que le béchor, j'ai le droit quand même de prendre un morceau de viande d'un autre animal qui pèse par exemple 5 kilos, et dans ce cas-là, de le mettre à. De peser grâce à ça, à imaginer, soupçonner, évaluer, ça fait combien 5 kilos de viande de béchor en pesant de la viande contre de la viande. J'ai pas le droit de mettre un poids contre de la viande, mais j'ai le droit de mettre de la viande qui pèse 5 kilos que j'ai déjà pesé contre la viande. Là, ça fait moins négligé. C'est une certaine permission, c'est ce que la Mishnah enseigne. Mané, c'est une mesure, c'est une pièce initialement, c'est une pièce qui avait un certain poids, donc tu auras le droit cette fois-ci de faire le contrepoids. À la différence du maaser. Le maaser, même évalué de manière pesée, même contre de la viande, qui n'est pas un poids, même ça, c'est interdit. C'est un interdit midérabanan. Le Barthélemy nous rapporte un pasouk. Mais en fait, Tosfot Yom Tov explique que c'est un interdit que midérabanan. Le pasouk, c'est une asmarta, ça s'appelle. Concrètement, le principe est simple, c'est que le béchor, il a le droit d'être vendu malgré tout. Le Kohen, il a le droit de vendre le béchor à un autre Kohen. Tandis que le maaser, la Torah, elle nous a laissé exprimer différemment. Pour le béchor, elle a juste dit, loïpadé, tu ne pourras pas racheter la gdoucha, mais tu pourras le vendre. Tandis que pour le maaser, la Torah, elle a dit, loïgaël, elle a changé le mot pour me dire, il sera en aucun cas, il ne sera pas transmis, je ne sais pas comment dire exactement, mais en tout cas, de là on déduit que Ramim nous a dit qu'on pourra le vendre d'aucune manière. Donc, puisqu'il y a un interdit de le vendre, alors ça implique de ne pas le peser du tout, tu pourras juste faire une estimation très comme ça, très globale, très... Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une journée pleine, la slacha kol tov, salam.